Le changement climatique pour nous, c'est avant tout des dates de récolte de plus en plus précoces et donc des maturités phénoliques de plus en plus abouties. C'est pour nous à la fois très intéressant pour la maturité de nos cabernets et également ça donne des vins avec une gourmandise plus importante. Par contre, notre grand défi aujourd'hui, c'est le maintien de la typicité de nos vins. Dans ce cadre, sur la propriété du château d'Agassac, on a plutôt décidé d'un plan de replantation basé et axé sur les cabernets sauvignon, qui sont des cépages de seconde génération de maturité qui permettent justement de mieux valoriser la typicité de nos vins dans un cadre climatique qui se réchauffe. Le deuxième élément qu'on a constaté, c'est également une mortalité de plus en plus importante de nos pieds, de vignes, donc une nécessité de renouveler le vignoble de manière de plus en plus fréquente. Notre adaptation, finalement, elle va plutôt se faire sur un choix de cépage moins précoce, donc avec des cabernets sauvignon, avec l'objectif de conserver la typicité des vins du Médoc, sachant que le cabernet sauvignon est le cépage roi de notre appellation. Pour le moment, on se contente de cette adaptation, en effectivement limitant de plus en plus l'encépagement en cépage merlot, qui est plus précoce et qui, de ce fait, convient moins bien sur nos terroirs de Graves.